Salut, c'est Denis, bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui, je voulais te faire cette vidéo pour te présenter l'absinthe qui est un petit buisson aujourd'hui quand même. Ce buisson d'absinthe, en fait, si tu veux, je te le montre aujourd'hui, c'est pas parce que j'avais envie de te montrer ça, c'est parce que elle fait référence à une vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Je te mets les images justement de l'état dans lequel elle était il y a maintenant à peu près un bon petit mois, sur laquelle elle était couverte de pucerons. Et d'ailleurs, je l'avais un peu coupée pour pouvoir récupérer, parce que comme c'est de l'absinthe, tu te doutes bien que je l'utilise. Et donc, je l'avais coupée et en la coupant, je m'étais rendu compte que c'était gorgé de pucerons. Et je t'avais fait cette vidéo par rapport justement aux ravageurs, par rapport aux maladies. C'est très lié tout ça. Et je voulais absolument te refaire, je m'avais été demandé, si justement ce que tu dis dans la vidéo est vrai, montre-nous les images de qu'est-ce que ça devient une fois que la chose s'est passée. Voilà. Donc quoi, ceux qui ont besoin de preuves par l'image, au moins je la mets, il n'y a pas de souci. Là tu l'as, l'absinthe est nickel, j'ai plus un seul puceron dessus, tout est parfait. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à cliquer juste en dessous sur le bouton s'abonner, comme ça, ça met au courant l'ensemble des vidéos que je produis régulièrement. Le principe, il est où? Alors, déjà, si tu n'as pas vu cette vidéo, à la limite, va la voir et puis tu peux revenir après, comme ça, ça te mettra certainement, tu verras peut-être un peu mieux de quoi il s'agit. Sinon, si tu l'as vu, tu vois encore plus de quoi il s'agit. Ça veut dire que, tu sais, les végétaux ont tous besoin d'être, si tu veux, mélangés les uns les autres. Même si, et c'est réel, tu vas retrouver parfois des bosquets, si tu veux, des groupements de certains végétaux qui vont être ensemble. Néanmoins, il va y avoir d'autres groupements autour. Un exemple très simple, tu peux avoir des petits îlots où tu vas trouver que de l'ortie, mais ça ne veut pas dire que l'ensemble 1000 m² va être envahi d'ortie. C'est probable, mais ça démontre généralement d'une problématique. Et si tu restes en plus dans cette observation, c'est-à-dire que si tu vois justement ou tu observes un lieu où tu as une très très grande étendue d'une seule et même plante, en l'occurrence ça pourrait être l'ortie, si tu observes sur le temps, tu vas vite te rendre compte qu'en fait, d'autres plantes commencent à apparaître et que l'ortie ne se porte pas si bien que ça en fait. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'au démarrage, oui effectivement, au début quand tu l'observes, l'ortie se passe bien, il est puissant. Et puis, tu te rends compte qu'au fil du temps, ça part un peu en sucette, quoi. C'est que l'ortie, il y en a déjà un petit peu moins. Il y a des endroits, il y a même des trous, il n'y en a plus du tout. Et puis, il n'est pas au milieu de sa forme. Il peut être effectivement envahi d'insectes ou de bestioles qui viennent le bouffer. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Ce n'est pas pour rien, parce que les plantes ont besoin de compagnie, si tu veux. Enfin, pas de compagnie parce qu'elles se sentiraient seules, mais tout simplement parce que le fait d'être associé à d'autres plantes, et comme tu vois, regarde l'absinthe que j'ai ici. Tu vois que juste à côté, mais regarde, c'est pas à 10 mètres, c'est à quelques centimètres, quelques millimètres. J'ai une laitue, tu vois, qui est en train de monter en graine. En l'occurrence, ça, c'est une laitue à couper. Et après, tu le vois pas parce qu'au sol, j'ai d'autres choses. J'ai de la betterave qui est au sol. J'ai des plantes sauvages, comme ici, j'ai du gazon, tu vois, qui recommence un petit peu. Enfin, j'ai de l'herbacée, si tu veux, qui est en train de graminer, excuse-moi, qui est en train de pousser. Oui, excuse-moi, j'ai fait une coupure parce que j'ai le sentiment que le soleil arrivait directement dans la caméra et que la lumière s'était sacrément abaissée. Du coup, je te disais quoi? Je te disais que voilà, les plantes vont avoir besoin de toute façon d'être associées les unes les autres et pas une association très loin, une association de proximité. Et c'est ça qui va faire que, si tu veux, on va aller vers un équilibre. Quand je parle tout le temps d'équilibre et le fait que la Terre et que l'ensemble de tes parcelles sont en équilibre, c'est les végétaux qui vont être le premier apport. Après, tu as des animaux, des micro-organismes qui vont aussi, si tu veux, faire partie de cet équilibre, qui vont prospérer, certains en grande quantité, et à un moment donné vont attirer des prédateurs qui, eux, vont s'en nourrir, et qui fait que cette quantité va se diminuer, va redevenir, si tu veux, quelque chose que tu n'aperçois même plus à la fin. Là, c'est le cas. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus du tout de pucerons sur le jardin. J'en ai encore. Là, j'ai de la capucine qui n'est pas très loin, sur laquelle j'ai des pucerons qui se mettent dessus en ce moment. J'avais les fèves, mais là maintenant, elles sont parties où les pucerons étaient encore dessus. Mais toute cette zone qui était ici, y compris sur les choux, j'en avais même qui s'était installé sur les choux, toute cette parcelle s'est remise en équilibre et je n'ai plus, en tout cas, de visuel sur les pucerons.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose qui prendra le relais. Mais c'est important de le comprendre et de ne pas, si tu veux, être en panique quand on voit qu'une plante est submergée par, je ne sais pas, là en l'occurrence, c'était des pucerons, mais ça peut être autre chose, ça peut être des chenilles comme la pyrite du chou qui va arriver très prochainement, tu comprends. Faut pas être en panique plus que ça. La nature a déjà en elle, si tu veux, enfin les plantes, tes parcelles, ton système a déjà en lui les ressources nécessaires pour se défendre. Et tu comprends, on a toujours envie d'intervenir, d'être, si tu veux, un peu la main de Dieu qui vient et qui met un peu son droit là-dessus, en disant non, vous n'avez pas le droit d'être là, moi je estime pour X raisons que vous n'avez pas le droit d'être là, et moi j'ai juste besoin d'avoir ça, mais la vie qui est autour, je n'en veux pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On voit très bien aujourd'hui où nous mène ce genre de philosophie. Cette philosophie de voilà ce que je veux et voilà ce que je ne veux pas. La nature, ce n'est pas ce qu'on ne veut pas. La nature, c'est un tout. Le système, c'est un tout. On n'a pas à choisir quelque chose là-dedans en disant je vais tirer cette ficelle-là, mais toutes les autres, je peux les jeter. Ça ne fonctionne pas comme ça, parce que quand on fait ça, on obtient quoi? Un déséquilibre. Et c'est ce qui se passe, tu vois, quand on voit un petit peu à quel point notre climat part en cacahuète, quand on voit le désastre au niveau de la perdition des espèces, le nombre d'espèces qui disparaissent tous les jours. Je pourrais en faire tout un scénario un peu catastrophique autour de ça, mais ça démontre à quel point que le fait d'avoir cette espèce de main mise sur la nature en souhaitant ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, ou se disant on ne veut pas qu'il y ait des espèces végétales, par exemple des arbres de différentes espèces, non, on veut exclusivement, par exemple, une idée comme une autre, un exemple comme un homme, des arbres, des palmiers pour l'huile de palme, on veut que ça, tu vois, des palmeraies comme ça, et on ne veut plus de forêts anciennes avec différents arbres, de différents. Non, on veut que ça, puis bien aligné, bien en rang, on voit qu'est-ce que ça crée, ce genre de délire. On voit bien qu'est-ce que ça crée. Ça crée des zones désertiques où tu as effectivement de l'huile de palme à profusion, mais tu n'as plus rien d'autre. Et donc, du coup, quel est le résultat? C'est très facile de comprendre quel va être le résultat à court terme en plus, de ce genre de vision un peu chaotique, si tu veux, de la nature. Parce que si à la base, une forêt, quand tu prends les forêts anciennes, c'est des forêts qui n'ont pas été coupées depuis de très très nombreuses années. Pour certaines, même, elles sont millénaires. Il y a une variété d'espèces présentes dedans, une variété végétale, animale, énorme. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que chacun cherche à vivre et chacun cherche à trouver sa place et à maintenir cet espace, pour lui. Et c'est une lutte, si tu veux qu'on dise la nature c'est beau, c'est vrai que c'est beau, mais en même temps la nature c'est un champ de bataille. Chaque fois, chaque variété, chaque espèce va chercher à lutter, et c'est vraiment ça, pour garder son espace, sa vie si tu veux. Et les uns vont chercher toujours à prendre la place par rapport à d'autres. C'est ainsi. Alors oui, c'est très joli à regarder, c'est très beau, ça paraît extrêmement paisible, mais vu d'un point de vue scientifique, c'est un champ de bataille complet dans lequel chaque espèce, qu'elle soit animale ou végétale, cherche à lutter pour sa survie. Et c'est ça qui fait cette diversité. Sinon, on a tout qui s'éteint en même temps, il n'y a plus rien de possible. Et voilà, c'est un peu la preuve en image que je voulais te donner, ne pas intervenir, laisser les choses faire. Oui, ça peut être très dérangeant parce que toute notre éducation judéo-chrétienne pour la majeure partie est basée sur le fait que l'homme est créé de la main de Dieu et qu'il a une emprise et que tout a été mis sur terre pour servir l'homme, l'homme étant le centre de l'univers et que toutes ces choses sont à notre service. Et revenir à quelque chose sur lequel c'est exactement le contraire, ça veut dire que non, tout ce qui m'entoure n'est pas à mon service. C'est présent et effectivement, je demande le droit, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, je me demande le droit de pouvoir récolter un petit peu pour ma subsistance. Mais ce n'est pas un dû, c'est juste quelque chose qui m'est possible. D'accord ? Et à un moment donné, c'est peut-être que les plantes ne me permettront plus, d'une certaine image, si tu veux, par rapport à ça. Et c'est en prenant, je sais que c'est très difficile, mais c'est en prenant cet état d'esprit-là que l'on arrive à avoir un jardin productif. Tu sais, le 80% d'un jardin qu'on appelle, tu sais, c'est la grande phrase qui sort beaucoup en ce moment, on dit, un Éden, tu vois, un jardin d'Éden, ou la profusion végétale, l'opulence végétale, elle n'est pas due, si tu veux,
qu'à des techniques. 80% c'est de la philosophie. 80% ça va être, si tu veux, un laisser en fait, une sorte de philosophie, je peux pas dire d'autres mots par rapport à ça, mais ça va être à nous en fait de nous conditionner pour. Et c'est ça qui va faire le résultat. Oui, c'est le fait de mettre des légumes et d'en mettre beaucoup, de mettre d'autres plantes comme là, tu vois, j'ai de l'absinthe au milieu des laitues. Ça va être ça. Mais ça va être surtout cet aspect-là. Après, il y a de la technique, oui, c'est sûr. Mais en fait, la technique, elle ne représente pas grand-chose. Oui, elle est facteur de réussite, mais il y a aussi notre état d'esprit. Parce que si je passe mon temps, dès que je vois le moindre insecte, voilà, ah, tu ne le vois pas non plus. Ah bah si, tiens, il est en train de monter. Ah, je pense que tu le vois, tiens, voilà. Pyrite du chou, tu vois. Si je suis là, je fais « Ah, vite, faut que je traite. Il y a un papillon sur mes choux, j'en ai 25. » Tu comprends? Si j'ai cet état d'esprit-là, je n'atteindrai jamais ce résultat-là, c'est pas possible. Parce que j'ai passé mon temps à être dans la crainte de perdre. Alors que j'ai mis une profusion de tout. Je sais pertinemment que j'aurai toujours à manger. J'aurai toujours quelque chose. Parce que j'ai laissé la nature prendre ses droits en lui donnant un maximum de chances, en multipliant, si tu préfères, les variétés. Donc j'ai pas à craindre quelque chose. Je peux craindre si je n'ai que ça. Si je fais que des pommes de terre partout, là, bien rangées, bien. Effectivement, le moindre doryphore qui va venir dessus, je vais être en panique. Parce que je vais me dire, mince, si je perds mes pommes de terre, j'ai plus rien à manger, c'est fini. Mais si j'ai mis un peu de pommes de terre, ce qui est le cas, tu ne vois pas derrière la caméra, là où je les ai mises. Avec ici, tu vois, là, c'est du chou. L'autre côté, là-bas, c'est les courgettes, c'est les tomates. Là, ici, tu as des carottes, tu as encore des choux, tu as des laitues. Ben, tu comprends, j'ai de tout. Oui, effectivement, c'est pas le cas. Mais si j'avais des doryphores sur les pommes de terre, et qu'effectivement, je perdais l'ensemble de la production, ben, je ne meurs pas de faim, j'ai encore autre chose. Tu comprends un petit peu, c'est ça, c'est le fait d'être sur cet état d'esprit en fait, de se dire rien ne m'appartient, j'ai mis quelque part un peu des conditions pour que ça existe, pour que ça ait lieu, et aujourd'hui je ne touche plus à rien pratiquement, je dis les seules choses que je fais c'est semer, planter, voilà, et le reste je laisse se débrouiller, et ça viendra ce que ça viendra, et c'est logique qu'il y ait des choses qui loupent, des choses qui ne réussissent pas. Et des choses, quand je les retente l'année suivante, bah, ça refonctionne, tu comprends? Parce que c'est dû à ce principe-là. Donc voilà, c'était surtout une vidéo de réflexion par rapport à toutes ces questions que beaucoup peuvent se poser en disant « Je ne comprends pas, ça me paraît très difficile d'avoir un jardin naturel, c'est quelque chose qui est très complexe, voilà, comme la permaculture, tu vois, voilà, c'est pareil. Voilà, c'est une mécanique très complexe. » Non, c'est avant tout un état d'esprit. C'est pas une mécanique complexe. C'est un état d'esprit dans lequel il faut être et se dire la nature de toute façon reprendra ses droits, de toute façon. Et à moi lui donner les conditions pour qu'elle le fasse. C'est un gros travail sur soi avant tout et c'est 80% de la réussite là-dessus. Je te laisse, je te dis à très très vite. Dans la description, tu as un lien, tu peux cliquer dessus. Comme ça, tu peux avoir, ça t'amène sur une page d'inscription où tu peux laisser ton email. Et comme ça, tu reçois 2 à 3 fois par semaine un email de ma part avec un lien qui t'amène sur un nouveau contenu, soit en vidéo, soit en audio, pour en apprendre un petit peu plus. Tu as tout en description, je te laisse, je te dis à très très vite. Et comme d'habitude, ta liberté t'appartient, ciao, ciao.